Confrontation. Tiens, tiens. J'ai un air déjà vu ça. Que Danzo est le fils de l'empereur qu'on a vu dans le prologue. Hein. Alors on est des cataphractes. Hop, on va se mettre en marche ici. On a 32 chukonos lourds, on va se mettre là. Ouais, ça me semble être un bon plan ça. Et là derrière on met les arbalétriers, les albardiers pour couvrir. Ouais c'est ça mon pour l'idée. Bon, on va se retirer sagement. Les cataphractes, on les fera charger. Essayez de forcer à se séparer afin de les combattre un à un. On va essayer. On a vu qu'il y avait un caillou là. On a aussi notre pouvoir du dragon. J'espère qu'il y en a un qui va spawner dans le coin et qu'on va l'avoir. J'ai reculé ma cave quand même. Donc là l'idée ça va être d'isoler. Comment ça je peux pas l'utiliser là? On va flanquer avec notre cavalerie. Abattez-les tous. Ils se focalisent sur le dragon, ça m'arrange. Comme ça, moi, avec les cataphractes, je peux contrecharger dans le dos. Tentez d'abattre les généraux, c'est eux qui font les plus chiants. À passer là sur les tireurs, ça m'arrangerait. Bon, on a déjà abattu quasiment la moitié de leur armée. Hein. Allez, on continue. Cataphract, reculer. On a quasiment perdu toute notre infanterie, mais je pense qu'on a anéanti quasiment deux tiers de leur armée. Hein. On va reculer. Ok, ils envoient un autre régiment, attention. Il nous reste 23 unités. Abattez-le. Ouais, ils vont nous faire très mal là. On doit essayer d'atteindre les 100.
Bon, il se replie. Allez, go. Est-ce que le dragon peut tenir? Allez, 100, plus que 19, allez. 107, 108, on y est presque les gars. 112, on va peut-être le faire. Ah non, pas 120, pas 119 là. Ouf. Oh, c'était chaud. C'était chaud. Eh ben, c'était rapide ce scénario.